Bonjour. Pourquoi vous êtes toujours en haut, là, loin? Vous avez peur? J'espère que vous avez bien mangé, parce que là, c'est la digestion. Et en plus, je vais parler de nourriture, donc j'espère que vous n'avez pas trop mangé, parce que ça va être indigeste sinon. Donc on est là pour parler de la cuisine archigonale. J'ai d'abord cité Martin Fowler. Qui connaît Martin Fowler? Une bonne moitié, il dit « l'architecture est vraiment importante. Les choses qui sont difficiles à changer sont l'architecture initiale, la culture et les compétences de l'équipe. C'est pourquoi il est important de bien faire les choses dès le départ. » Alors, bien faire les choses dès le départ, ce n'est pas imaginer l'architecture pour le logiciel qu'on va déployer dans 3 ans. Ça, c'était avant, c'était le passé. On ne fait plus comme ça. C'est de se mettre en situation de ne pas dérailler, de pouvoir agir, choisir, changer, c'est ça. Parce que Martin Fowler, je ne sais pas si vous savez, c'est un développeur, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est celui qui a, avec d'autres développeurs, créé l'agilité. Donc il a écrit le Manifeste Agile qui disait, plutôt qu'une documentation exhaustive, il vaut mieux des logiciels qui fonctionnent. Plutôt que suivre un plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux s'adapter au changement. Plutôt que des processus et des outils, il faut des individus et des interactions, plutôt que la négociation contractuelle, où on peut sortir après, il faut de la collaboration avec les clients. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais il y a des organisations qui ont pris ce truc d'agilité-là et qui en ont fait des certifications. Donc c'est parti un peu, c'est parti des développeurs et ça leur a échappé. Et dans les certifications, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié les développeurs. Qui est développeur ici? Voilà, on nous a oublié. Donc de là est né le Software Craftsmanship qui dit... C'est une réponse point par point au manifeste agile. C'est OK, des logiciels opérationnels, mais pas seulement. Des logiciels aussi bien conçus, parce qu'on va les maintenir, on va les faire évoluer, et c'est notre terrain de jeu. Pas seulement l'adaptation au changement, mais également l'ajout constant de valeur. Pas seulement des interactions et des individus, mais une communauté de professionnels. On est des professionnels, développer c'est dur, quoi que vous disent certains, c'est juste un if. Non, c'est pas juste un if, c'est plus compliqué que ça. Et la collaboration avec les clients, des partenariats productifs. Donc le software craftsmanship, c'est l'artisanat logiciel en français, c'est un peu barbare en anglais, mais c'est l'artisanat logiciel, l'artisan au sens noble du terme, celui qui a peaufiné son art et qui, avec les bons outils, et qui a un savoir-faire pour faire des choses sur mesure, pas des chaises IKEA à la chaîne, qui vont durer quelques mois, quelques années. C'est pas ça l'artisan. Donc moi, je suis Christophe Gérardin, je suis coach craft, du coup. Je vous ai présenté le craft. Donc moi, mon métier, c'est d'aider les équipes à monter en compétences sur le développement, mais vraiment le développement de base, en essayant de moins dépendre de la technologie. Il y en aura forcément, mais on ne veut pas dépendre. Donc j'aide les organisations, des équipes, même je fais aussi du coaching individuel. Je fais aussi des audits techniques. Je fais partie de la société Octo. Qui connaît Octo ? Pas, ok. Qui fait partie d'Accenture? Qui connaît Accenture? Moins? Oh, finesse. Donc nous, on est la branche technique, en fait, la branche expert d'Accenture. On a été racheté il y a quelques années. Et on est une entreprise agile aussi. Donc l'agilité, c'est pas juste sur les produits qu'on fait, c'est aussi l'entreprise. Et dans Octo, il y a une entité qui s'appelle Octo Academy, dont je fais partie aussi. Donc je sors de mission pour faire des formations. Je suis conférencier, ça tombe bien, je ne suis pas un usurpateur. Je suis aussi auteur, alors ne cherchez pas des livres sur Amazon, c'est des livres Octo qu'on donne, vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site. J'en ai mis quelques-uns là, là ils sont reliés et imprimés, donc ceux-là ils sont payants, mais je vais vous les donner. C'est cool. Pour ça, je vais jeter des shurikens dans la salle. Alors, il y en a qui sont très hauts. Donc, du coup, vous devez être attentif, sinon, dans l'œil, attention. Bon, on va voir si ça marche déjà. Et vous êtes loin, hein? Oh là là, magnifique. À la fin, vous me ramenez le shuriken et vous pouvez choisir un des livres ou un petit canard bleu. Est-ce que vous connaissez le canard? La méthode du canard, c'est vous avez un problème, vous ne comprenez pas, vous faites venir votre collègue, il vient, vous lui expliquez votre problème, et au moment où vous avez fini d'expliquer, vous faites ah non, c'est bon, j'ai compris, merci, au revoir. Et vous faites ça 2-3 fois, il ne viendra plus après. Par contre, le canard, il a une patience infinie, et il peut vous écouter des heures et des heures, et puis vous trouverez la solution vous-même, c'est top.
Avant tout ça, j'étais développeur, tech lead, architecte, ce qui me permet voilà, d'être pertinent dans toutes mes activités. Vous avez mon LinkedIn ici, Christophe Breuer et Girardin, un peu long. Vous pouvez prendre une photo, c'est un peu long. Vous pouvez si vous prenez des photos, c'est bien, vous me les envoyez, j'aime bien, ou vous me taguez. Twitter, j'ai mis un peu plus court, j'ai mis Christophe BG. BG comme... Non, comme Breuer et Girardin. Ok. Aujourd'hui sort Indiana Jones. Je ne sais pas si vous êtes fan. Moi, j'ai regardé tous les films au cinéma. Donc, on va faire un peu d'histoire, un peu d'archéologie. Quand j'ai commencé le développement, autour, mais c'est un peu avant, moi, je suis un peu vieux, la première décision qu'on prenait sur le logiciel, c'était quelle base de données on va choisir. Et puis on la choisissait. Et on savait même pas ce qu'on allait développer. On avait déjà choisi la base de données. C'est cool. Souvent, mauvais choix. Forcément, on ne savait pas ce qu'on allait développer. Donc c'est la première décision. La deuxième décision, c'était encore une histoire de base de données. C'était un bug tracker, parce qu'on savait qu'on allait avoir des bugs, parce qu'on n'est pas très bon. Donc on préparait tout le terrain pour développer. Et puis voilà, on avait fait nos choix très structurants, et on partait dans le développement. Et évidemment, s'il n'y avait que ça comme choix, on avait des problèmes. On disait, on va livrer dans 3 ans, bon, on livrait dans 5 ans. On avait des bugs, on corrigeait, on avait d'autres bugs. Parfois, on ne corrigeait pas même. Donc il y avait des régressions, ça coûtait de l'argent, j'en étais pas content, voilà. C'était pas terrible. Pourquoi ? Parce qu'on développait comme on pouvait. On n'avait pas trop de structuration, donc on développait ce qu'on appelle une architecture spaghetti. Vous voyez des spaghettis, vous mélangez tout, c'est peut-être bon à manger, mais à développer, c'est pas terrible. On appelle ça gros tas de boue en anglais. Donc c'était autour des années 2000, mais j'en ai rencontré en 2018 et en 2022. Parfois, en faisant des audits, on a des surprises. On avait une illusion de vitesse parce qu'on développait vite, comme on pouvait, au début. Et puis plus ça allait, moins on livrait des choses, parce que c'était compliqué de se dépatouiller, de rajouter des choses, faire évoluer. On créait des bugs qu'il fallait corriger. Donc il y avait beaucoup de souffrance à maintenir tout ça et à faire évoluer. Et quand on avait un nouveau qui arrivait sur le projet, bon courage à lui. Il devait appréhender plein de trucs en même temps, tout mélanger. C'était compliqué. Là, vous avez un exemple d'arbre de dépendance spaghetti, donc tout est mélangé, voilà. Vous dites, machin dépend de trucs, c'est mon bidule qui dépend... Bon, je tire un petit bout pour essayer d'en faire quelque chose, il y a tout qui vient avec, c'est compliqué. Si, pour ceux, il y en a qui ne voient pas, qu'on n'a jamais vécu ça, le spaghetti? Non? Tout le monde a vécu ça? Bon, ceux qui n'ont pas vécu, dans la vie réelle, c'est comme si votre top manager il vous disait, Madame Michu, un problème électrique, merci d'aller la dépanner. Bon courage. Bah c'est pareil dans le dev. Bon courage. Et quand moi je pense à architecture spaghetti, je vois ça pour un développeur quand il doit appréhender ce code spaghetti. Donc ça pique un peu. De là, on a dit non, c'est pas bien en fait tout mélanger. Il faut bien structurer les choses. Ça serait peut-être mieux. Et de là, ils sont sortis des architectures en couches. Donc là, vous avez des spaghettis, vous avez des lasagnes, je vous avais dit, on va parler de nourriture. Donc on va découper les choses. Donc peut-être qu'il y a des IHM là, pour discuter avec l'utilisateur, puis après il y a des choses qui récupèrent la communication avec l'IHM, peut-être un peu de métier, puis peut-être des choses qui vont communiquer avec une source de données, comme une base. De toute façon, en général, c'est comme par ça qu'on avait commencé, donc c'est bien. Donc voilà, chaque couche a un rôle bien défini. Ça, c'est ce qu'on pensait. Dans les faits, bah, ça bave un peu. La sauce tomate est cool, le fromage aussi. Pourquoi ? Parce que on avait une base de données et on essayait de modéliser notre base de données en objets. Donc on avait des tables, des colonnes, et puis après, nous, on faisait des objets avec des classes, en général, si on fait de l'objet, des classes et des propriétés. Donc c'est un modèle de persistance. Et puis ce modèle-là, on l'utilisait un peu partout. Hop, les règles métiers, hop, contrôleur, hop, IHM. Et là, on vous dit, j'avais un client qui avait un prestataire, dont je tairai le nom, qui avait fait ça, et puis le client lui a dit, en fait, la table où vous sourcez, on va la changer, donc vous devez vous sourcer ailleurs. Il a dit, très bien, pas de problème, ça vous coûtera 3 semaines. 3 semaines pour juste changer de table. Parce que il fallait changer les objets, changer les mappings, puis changer les règles métiers qui utilisaient ces objets, puis changer les HM même. Donc c'était un peu coûteux, il fallait tout retester à la main. Donc c'était compliqué. Et puis après, sont arrivés les frameworks aussi. Et puis les frameworks, ils aiment bien prendre de l'espace. Donc ils étaient un peu partout. Et parfois, ils sont un peu... des endroits un peu plus... là où on ne voudrait pas qu'ils soient. Ils prennent un peu trop leur place, trop leurs aises.
Ce qu'on avait aussi, c'est une structuration par couche. Donc on mettait dans une couche, on mettait toute l'application. C'était pratique, comme ça ils étaient bien à un bon endroit, sauf que quand ça commençait à grossir, bah, c'était compliqué de s'y retrouver. Là, vous avez par exemple une arborescence d'une archi en couche d'un VTC. Donc on peut réserver, on peut administrer, puis vous avez les contrôleurs donc qui communiquent avec une IHM par exemple. Vous avez les services. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans le service. Sous service manager, on aimait bien mettre ça à l'époque. Puis vous avez la persistance, donc les DAO qui se connectent à des tables, et puis votre objet réservation et administration qui est le calque de la table. Donc ça, c'est facile quand il y en a deux. Et puis d'un coup, on vous rajoute un service d'achat de voiture, et puis aussi le contrôleur, et puis aussi toutes les choses de persistance, et puis la comptabilité, et puis l'achat de bouteilles d'eau. Quoique le bouteille d'eau, j'en vois plus trop dans les VTC. C'était au début pour nous faire venir. Et donc on voit qu'on commence à scroller de haut en bas en permanence, ça devient illisible. Si on est plein sur la code base, plein de développeurs, ça devient compliqué. Ouais, approchez-vous, il y a des choses à gagner. Et puis vos objets là, de persistance, réservation et administration, eh ben, ils transitent partout. Eux et les autres qui vont arriver après. Donc finalement, vous voyez bien que ça c'est pas si étanche que ça, les couches, ça bave un peu. C'est comme si dans la vraie vie, je vous disais, Madame Michu, un problème pour se déplacer à pied, merci de l'aider, vous arrivez là, bah, normalement, la rivière, elle a son endroit, la route aussi, et le trottoir aussi, là, tout est mélangé. Bah, c'est un peu ça. Voilà, parfois, ça déborde un peu. Dans la vraie vie, on vous dit, cool, un beau développement en couche, c'est cool, ça a l'air propre, et puis quand on regarde l'envers du décor, ça va un peu plus loin que ce qu'on pensait. Après, on s'est dit, voilà, c'est normal, c'est parce que c'est un gros truc à appréhender, c'est trop compliqué, on va diviser en petits éléments plus simples. On a toujours expliqué qu'un gros problème, si on le découpe en petits problèmes, ça va être plus simple. Donc là, on va faire des petites raviolis. Spaghetti, lasagne, ravioli. Mais si on ne sait pas découper un gros système au sein de ce système, est-ce que vraiment, si on prend des petits bouts et qu'on va les déployer à droite à gauche, ça va mieux marcher ? Alors qu'on ne sait déjà pas découper un gros système. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir en réalité des petites lasagnes, des petites spaghetti, des petites lasagnes, des spaghetti, et puis qui communiquent entre elles, distribuées partout. Donc en plus d'avoir les problèmes des microservices, on va avoir les problèmes de découpage. Parfois on dit ouais, il faut déployer les deux là en même temps. Du coup, ce n'est pas trop des microservices, ils sont en même temps. Donc il n'y a pas d'indépendance. C'est comme si je vous disais, Madame Michu, un problème de connexion Internet. Décidément, on a plein de problèmes. Merci de lui rétablir sa connexion. Et vous avez ça. Donc l'opérateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il débranche quelqu'un au pif, il branche Madame Michu. Et puis après, Monsieur Machin appelle. On fait la même chose avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Je l'ai vécu pendant 2 ans avant de déménager. C'est super. Le développeur, face au microservice mal conçu, il y a des logs un peu partout, ça ne marche pas. On ne sait pas, une donnée est erronée à l'autre bout. On ne sait pas quel microservice a planté. Enfin, a planté à tronquer cette donnée. Donc voilà, ça donne un peu mal à la tête. En fait, qu'est-ce qu'est la valeur dans notre applicatif ? Ce qu'est la valeur, en général, c'est le métier. Un métier complexe. Si ce n'est pas complexe, ça veut dire que vous pouvez acheter quelque chose ou vos concurrents le font déjà. Donc c'est un métier complexe. Ça qui est de la valeur. Et c'est la raison d'être de l'application. C'est pour ça qu'on gagne de l'argent. C'est ça que les personnes viennent chercher. C'est ce qui est différenciant par rapport à la concurrence. Et c'est beaucoup plus pérenne que la technologie. Hein. Il y en a qui font du JavaScript. Nouveau framework qui sort tous les jours, nouvelle version toutes les semaines. Ça bouge beaucoup, beaucoup. Sans compter que parfois, sa nouvelle version, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Hein. AngularJS, Angular 2, la qu'on connu. C'était super, il fallait tout recommencer. Donc ça bouge beaucoup. Et le métier évolue beaucoup moins en fait, c'est quelque chose de plus pérenne, on ne va pas changer, je suis un BTC, d'un coup je ne vais pas faire de la cuisine. Voilà, mon métier c'est mon métier, je peux l'enrichir, je peux diversifier un peu, mais je ne peux pas remplacer un métier. Donc en fait, ce métier et cette application, elle se base sur une architecture logicielle, elle doit être maintenue, elle évolue, et il ne faut pas troquer de douleur, hein, le moins possible en tout cas. Et donc, cette architecture logicielle qu'on va définir, elle doit protéger la valeur des intempéries techniques. On va aussi parler nourriture et météo. On va citer Nietzsche. Je crois qu'on ne cite pas assez souvent Nietzsche en conférence. Ce que Nietzsche dit, c'est que la bonne idée est comme une flèche lancée par-dessus la colline, un autre la ramasse et la tire plus loin. Donc moi, je vais vous parler de choses. Peut-être que ça va faire écho. Et puis, si vous trouvez ça bien, bah, parlez-en aux autres. C'est cool. On va faire un monde meilleur comme ça.
Donc ce qu'on appelait les nouvelles technologies, ça fait rire maintenant, les nouvelles technologies, au début d'Internet, mais c'est comme ça qu'on l'appelait par rapport au mainframe d'avant. Donc c'est tout ce que j'ai parlé, vous c'est là, tout ce dont j'ai parlé avec voilà, les spaghettis, tout ça, l'établissement des bonnes pratiques, on a dit qu'il faut faire des couches. Là, on a commencé à faire des tests automatisés, parce qu'avant, on faisait des tests manuels, on avait des armées de gens qui faisaient des tests, les frameworks sont arrivés, etc., on a fait de l'agilité, c'était cool. Et puis, il y a des choses qui sont sorties, des concepts d'architecture hexagonale, de DDD, Domain Driven Design, ou de Clean Architecture, qui sont sortis. Ils ont mis un peu de temps avant d'arriver, avant d'être démocratisés. Et c'est là où le software craftsmanship et aussi le DevOps, hein, arrêter d'avoir des silos entre les devs et les ops, tout ça aide à avoir un meilleur applicatif. Donc on parle de TDD, Clean Code, Archi Hexa, Clean Archi, on en parlera, culture produit, etc. Donc j'espère que vous êtes plus là à gauche que là à droite. Donc là on va parler d'architecture hexagonale. Et puis je vais envoyer un petit. Ah ouais, je vous avais prévenu, hein, faut être attentif. Là j'ai prévenu en plus. Donc architecture hexagonale, c'est quoi? Bah, c'est un hexagone. Ça existe déjà dans la nature. Hein. Il y a les abeilles qui font leur ruche avec des alvéoles. Mais il sert à quoi cet hexagone? Parce qu'on ne dessine pas vraiment des hexagones dans le code. Il sert à protéger ce qui a de la valeur. Donc globalement, protéger votre métier. Protéger votre métier de tout le reste. Tout le reste, c'est quoi? C'est la technologie. Donc tout ce qui est base de données, tout ce qui est API, JSON, batch, web service, tout ça, il faut le repousser au plus loin de votre métier. D'ailleurs, si vous avez des gens qui sortent de l'école et qui viennent sur vos produits, s'ils ont juste le métier, déjà juste entre guillemets, s'ils ont le métier à appréhender, c'est déjà plus facile que s'ils ont le métier, plus tout plein de technos qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas appris à l'école. Donc c'est plus facile pour onboarder quelqu'un. C'est parce que la technologie, enfin l'hexagone dépend quand même du langage, c'est la seule chose, seule dépendance à la technologie. Sauf si vraiment vous avez un besoin extrême d'une librairie que vous ne pouvez pas vous en passer, et puis voilà, c'est pas dogmatique non plus, mais en général il faut que ce soit plutôt l'exception que la règle. Donc ce que moi je dis, c'est, pour reparler la rivière là, qui sortait de son lit, c'est il faut une décrue technologique pour pérenniser la valeur. Et la technologie, on la repousse au plus loin. Alors, c'est quoi l'hexagone? L'hexagone, c'est composé de plusieurs choses, des ports, et en dehors des ports, il y a des adapteurs. On l'appelle aussi architecture port et adapteur. L'adapteur de gauche, là, celui qui est en vert, c'est comment on rentre dans l'hexagone. C'est qu'est-ce que offre l'hexagone comme possibilité. Par exemple, réserver une course de VTC, où je vais dire on est quatre, on va à tel endroit pour tel jour. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'offre à l'extérieur? À l'extérieur de mon métier, hein, pas à l'extérieur de mon appli. C'est comment on m'appelle, en fait. Et à droite, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour fonctionner? Si jamais on doit ajouter une réservation système, bah, j'ai un contrat qui dit je peux rajouter une réservation système. Comment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je sors vers l'extérieur à droite, je peux rajouter une réservation mon système, ou récupérer des chauffeurs qui sont libres, par exemple. Et les adapteurs, eux, ils se branchent au port. On peut voir ça comme une prise électrique. Donc l'adapteur de gauche va appeler l'hexagone, donc il se branche en disant « Ah, tu peux me permettre de réserver une course ?» Bah, très bien, je vais t'appeler. Et puis à droite, c'est « Ah, tu veux ajouter quelque chose au système ?» Bah, très bien, je vais le faire. Moi, dans mon contexte, c'est quoi? C'est de faire un insert dans une base Postgre? Bah, très bien, je vais faire ça. Si demain, c'est autre chose, écrire un fichier, je vais avoir un adapteur qui écrit un fichier, il n'y a pas de problème. Et c'est comme la prise électrique. Donc la prise, vous avez un contrat, c'est deux trous, 220 volts et une masse, et vous ne savez pas qui se branche dessus. La prise ne sait pas qui se branche dessus. Ça peut être un fer à repasser, mon ordi, un sèche-cheveux, peu importe, en fait, ça fonctionne pareil. Bah, là, c'est la même chose. Peu importe mon appelant, que ce soit un contrôleur REST, un batch, n'importe quoi, peu importe, il va pouvoir se brancher à l'hexagone. Et à droite, peu importe la technologie qui va être employée pour faire les choses avec une base, une source de données, autre, et bien on va pouvoir le faire. Parce que les flèches, ça montre la dépendance. L'extérieur dépend de l'hexagone, l'hexagone ne dépend de rien, il ne connaît rien, il n'y a rien autour. Donc lui, il ne sait pas qui l'appelle et il ne sait même pas dans quelle technologie c'est fait. Bon,
les dépendances, c'est comme ça vers l'intérieur, mais le flow d'exécution, c'est bien de gauche à droite. Hein. C'est l'adapteur qui appelle le port, qui appelle l'autre port, qui appelle l'autre adapteur. De gauche à droite. Souvent, on dit gauche-droite. Ce qu'on dit aussi, c'est user side, server side. User side, c'est pas forcément un humain, mais c'est un appelant. Ça peut être un batch ou un humain. Et à droite, c'est, on appelle ça server side. Server side, c'est une source de données. Ça peut être aussi un appel distant à un autre web service ou peu importe. C'est la technologie, la partie technologique. Mais il y a d'autres nommages hein, que user side, server side. On peut dire aussi primaire, secondaire, driver driven, API, SPI, SPI pour service provider interface ou ce que vous voulez. En fait, le nommage n'est pas très important. Le tout, c'est que dans votre équipe, vous soyez d'accord sur les nommages, et puis vous vous mettez d'accord, et puis vous partez là-dessus. Vous savez de quoi vous parlez. Puis si vous changez d'équipe, peut-être qu'ils auront un autre nommage, et ce n'est pas très grave. On s'y fait bien. C'est quoi dans le code, tout ça là ? C'est un peu abstrait, là, port et adapteur. Alors, le port de droite, le jaune, donc c'est une abstraction, je dis, un contrat, c'est un rôle. On appelle ça aussi une interface. Et dans plein de langages, le mot-clé, c'est interface, justement. En Java, TypeScript, C#, c'est interface. En Python, c'est protocole, maintenant. Bref, chaque langage a son mot-clé. Et donc, c'est juste des prototypes de méthodes sans code qui vous disent ce que c'est. Et l'adapteur, c'est quelque chose qui implémente cette interface. Donc, il va dire, OK, tu veux ajouter quelque chose au système. Alors, moi, je sais faire, c'est un insert into, machin. Là, c'est du vrai code. Et en se conformant au contrat. À gauche, c'est un peu plus sioux. Alistair Cockburn, quand il a lancé son architecture hexagonale en 2005, il ne montre pas d'interface à gauche. Donc on ne sait pas si on doit en mettre ou pas. Lui, dans ses exemples de code, il n'en met pas. Par contre, il pointe dans son blog, sur d'autres blogs qui en mettent. Donc on va dire, faites comme vous voulez. Donc on peut voir le port comme la signature d'entrée de votre méthode, votre classe méthode, pour rentrer dans votre hexagone. Est-ce que le corps fait partie du port ou est-ce que le corps, il part dans... Il n'y a pas de... Votre application, vous ne la mettez pas là, c'est un peu ambigu. En tout cas, lui, il explique juste comment isoler, après au milieu, là, votre application, finalement, c'est un peu malheureux comme terme, mais votre application, il dit que c'est des structures simples et vous n'êtes pas trop de pistes pour designer votre métier. En tout cas, vous savez l'isoler. Et puis l'adapteur de gauche va appeler le port de gauche, soit directement par un new, soit par une interface si vous avez mis une interface. Ces choses-là d'interface et d'implémentation, ça s'appelle une inversion de dépendance. On ne dépend plus directement, vous le voyez à droite, hein, on ne dépend pas directement de l'adapteur violet. On dépend du contrat, du port, et puis dans le code, il va y avoir une injection de dépendance pour pouvoir donner la dépendance qu'on veut. Et là, il y aura de la technologie, hein, peu importe, parce que ça, c'est autour. L'injection de dépendance, c'est autour. Donc là, vous pouvez mettre du Spring, si vous faites du Java ou autre chose, ça fonctionnera bien. Mais dans l'hexagone, c'est mieux de ne pas en mettre, même si on peut. Et du coup, on peut changer les adapteurs quand on veut. On débranche, on branche, comme dans la vraie vie. Donc là, j'ai un contrôleur REST, et puis je veux mettre un script batch, bah, hop, je change, c'est un script batch. Ou alors, je peux laisser les deux, hein, je peux avoir deux branchements. En tout cas, quand moi je développe, je vais développer avec un test, ce qui me permet de ne pas tout de suite définir des API ou des choses comme ça, ou des batchs. Je vais définir un test pour permettre de développer la partie hexagone. Et à droite, je vais mettre une doublure de test, qui peut être un stub, un mock, un fake, tout, ou autre. Et puis dans la vraie vie, une fois que ça fonctionnera, je mettrai un adapteur réel qui va faire des requêtes SQL, ou des appels web service, ou stocker sur des fichiers, etc. Donc je peux développer tout ça en autonomie, et puis après, rajouter d'autres éléments, et puis les tester eux-mêmes aussi dans leur coin. Et puis tester aussi de bout en bout, pour voir que tout est bien connecté les uns dans les autres. Quelques tests de bout en bout. Du coup, là, on va avoir beaucoup de tests unitaires. L'unité étant le comportement, l'unité étant tout ce qui est dans l'hexagone. Donc je vais faire un test par comportement. Et puis après, je vais tester mes adapteurs en test d'intégration à droite. Puis à gauche... Voilà. Soit je les teste tout seul, soit je fais un test de bout en bout, parce qu'il n'y a pas trop de logique à gauche. Et du coup, vu que l'hexagone ne connaît pas ce qu'est l'extérieur, comment ça se passe aux frontières, et ben, ce qu'on dit, c'est que ce qui est extérieur ne doit pas rentrer. Donc si vous avez un ORM à droite, ne le faites pas rentrer l'hexagone,
Ça veut dire que vous allez faire des mappings entre votre modèle métier au milieu et votre modèle de pertinence qui est dehors. Et ça, c'est fort, parce que vous pouvez avoir un modèle de persistance, voilà, des tables précises, et votre modèle métier qui n'a rien à voir. En fait, on fait le modèle métier qui nous aide à designer notre métier, et le modèle de persistance qui nous aide à stocker les données. Et peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être qu'il n'y a pas de 1 pour 1, peut-être que oui, peut-être que non. Attention les yeux. Et pourquoi une forme d'hexagone? Pourquoi pas une forme d'octogone? Parce que l'octogone, c'est violent, c'est du MMA, c'est pas terrible. Donc on va rester sur l'hexagone. En fait, c'est une vue de l'esprit, l'hexagone. C'est juste pour dire, ce qu'il voulait, c'est d'avoir de la symétrie gauche-droite et de la symétrie haut-bas. Donc c'est juste ça. Il n'y a pas d'autre explication. Il voulait assez d'arêtes pour mettre des ports et des adapteurs. Mais vous pouvez très bien avoir trois ports. Ça ne sera pas pour autant une architecture octogonale, ça sera toujours hexagonale. Ou un port de chaque côté, ça sera un triangle. Mais bon, c'est une vue logique, ça n'a pas d'autre explication. D'ailleurs, la France, on dit que c'est un hexagone aussi. Vous n'entendez pas souvent la météo, il va pleuvoir aux quatre coins de l'hexagone. Ben non, ça doit vous faire mal aux oreilles, parce que l'hexagone, il y a six coins, pas quatre. Donc, nous, là, on est en Bretagne, on est là. Enfin, là. Puis là-bas, c'est l'Alsace. Ce qu'il veut aussi, c'est qu'on ne mélange pas la partie gauche et droite. Il ne voudrait pas qu'on ait un package infrastructure avec en dessous la partie adapteur de gauche et la partie adapteur de droite. Il veut vraiment des packages différents. La gauche, le milieu et la droite. La taille des ports maintenant. Les ports, vous voyez, le port de gauche. Est-ce qu'on fait une classe avec plein de méthodes dedans pour, je ne sais pas, si on veut réserver une course, on met une méthode de réservation, une méthode d'annulation, une méthode d'autre chose. Ou est-ce qu'on met un fichier par port? Un fichier pour réserver, un fichier pour annuler. Là, il ne se positionne pas. Il dit qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire, donc faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Maintenant, on va parler de clean architecture. Je vais un peu par là. Ça va toujours au même endroit, hein, j'ai l'impression. La clean architecture, ça a été inventé par Robert Martin en 2012. Son livre est sorti un peu après. C'est pas un hexagone, là, c'est des cercles concentriques. Et en fait, l'idée est la même. L'idée, c'est d'avoir le cercle le plus central qui est là où vous allez mettre votre métier. C'est les règles métiers de l'entreprise. Donc, ils appellent ça entity, qui est un peu mieux que l'implication, mais pas un peu mieux faire quand même. Donc là, vous allez mettre tout votre métier. Et puis autour de votre métier, le use case, c'est ce qui appelle votre métier. Et c'est votre point d'entrée de l'extérieur. Donc en fait, on pourrait, si on faisait maintenant que vous êtes des experts en archi hexagonale, si on pourrait faire une analogie, le port de gauche, c'est le use case, et ce qui est au milieu de l'application, c'est l'entities. Et la partie technologique à droite, pour lui, il traverse ça par des gateways, des passerelles. Personne n'utilise ce terme, mais il voulait le sien. Et on a aussi un présenteur, c'est le petit schéma en bas à droite que les gens regardent. Qui a compris ce schéma? Personne. Une personne. Deux. Deux personnes. On va en parler tout à l'heure. Mais en général, les gens regardent ça et se concentrent sur les cercles concentriques, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc les cercles du milieu, le jaune au milieu, ils dépendent de personne. Le use case, il appelle que l'entities, et puis le vert appelle que le jaune, que le rouge, etc. etc. Si on devait faire encore l'analogie, mon hexagone, si je devais le représenter dans les cercles, ce serait au milieu, la partie use case et entities. C'est ça mon hexagone. C'est ça qui définit mes règles métiers, soit d'application, soit d'entreprise. La qualité d'application, c'est je réserve une course, voilà, c'est ma règle métier de mon application. Et puis dire que la course, je ne peux pas mettre 5 personnes parce que dans une voiture, il n'y a que 4 places, parce qu'il y a déjà le chauffeur qui est là, c'est une règle métier d'entreprise, donc ça c'est plutôt d'entities. Et le flow est comme ça. Le contrôleur appelle use case, qui appelle entities, et puis après on ressort les informations via la gateway vers une base ou autre chose. Il a mis base là, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être des fichiers, ça pourrait être un appel distant, ça pourrait être tout ce qu'on veut. Ça peut être un stockage mémoire, si on veut. Et donc, de même façon que tout à l'heure, si on ne veut pas être pénalisé par la technologie, il ne faut pas en mettre au milieu. Comme ça, si la technologie évolue, on n'est pas impacté au milieu, on va être impacté quelque part. Mais la zone où ça va être touché, elle va être réduite. En tout cas,
Si vous devez faire évoluer votre technologie, vos frameworks, votre base de données, et puis ça oblige à modifier votre métier, c'est un peu dommage. Donc là, le métier, il est vraiment étanche à tout ça. Sauf si vraiment vous avez une bonne raison de le faire, mais à ce moment-là, c'est à vous de... Voilà, si jamais la technologie change, c'est à vous d'avoir la balance bénéfice-risque. Donc le petit schéma en bas à droite que j'ai refait et puis un peu agrémenté, pour qu'il soit plus clair. Non, il n'est pas plus clair. Donc votre use case, ce qui était le port finalement en archi hexagonale, il s'appelle ça use case interactor, c'est le truc au milieu. Donc lui, c'est lui qui est le point d'entrée. Par contre, la clean archi vous impose d'avoir une interface qu'il appelle use case input port. Donc le contrôleur n'appelle pas directement le use case, contrairement à l'archi hexagonale où on ne savait pas trop. Là, c'est une position ferme, c'est-à-dire si il faut une interface obligatoirement. Donc le contrôleur connaît que l'interface, il ne sait pas ce qu'il y a derrière, et le use case interacteur se conforme à cette interface. Donc il implémente les méthodes de l'interface. Et puis il va communiquer avec la gateway, qui, elle, va communiquer avec quelque chose, une source de données, il y a une abstraction. Ça, c'est comme l'archi hexagonale. Le gateway abstraction, c'est le port de droite. Les couleurs sont respectées entre les deux. Entre tous mes schémas, les couleurs sont respectées pour qu'on comprenne bien l'analogie. Et contrairement à l'architecture hexagonale, parfois on pouvait renvoyer une liste de, je sais pas, une liste de réservations. Et bien là, les use cases ne renvoient rien. Du coup, comment on fait pour renvoyer des informations? Et bien on passe par un présenteur. Donc le use case, dans sa méthode, il va définir une interface et il va dire, une fois que j'ai fini de faire mon travail, je vais l'appeler avec les données que j'ai récupérées. Et je ne sais pas ce que ça fait, mais je vais l'appeler. Et je vous garantis que je vais l'appeler. Charge au contrôleur, au moment où il appelle le use case, de lui passer une implémentation de ce présenteur pour dire qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Par exemple, je suis un contrôleur REST, je vais envoyer du JSON ailleurs, je vais lui donner un présenteur qui transforme ces données en JSON. Et après, j'ai plus qu'à lire le JSON tout fait et à m'en servir. Donc, je pourrais avoir un use case qui est appelé par, voilà, par un contrôleur REST, mais aussi ce use case qui est appelé par un batch. Et lui, le batch, je sais pas, il lui fournit un présenteur qui transforme ça en CSV parce qu'il fait du CSV ou du XML ou peu importe. Donc, on peut comme ça avoir des présenteurs différents sans que ça a changé le use case ni le contrôleur. Donc, le contrôleur il devient un peu plus humble qu'avant. Et si je représente la clean archi en archi hexagonale, vous êtes des spécialistes. Donc à gauche, j'ai mes use cases, là, l'interface d'entrée, l'interface de sortie et le use case lui-même. À gauche, j'ai mon contrôleur et l'implémentation du présenteur. Si jamais j'ai des choses à ressortir, hein, c'est pas obligatoire. Si je fais juste ajouter une course à mon système, je récupère rien. Et à droite, j'ai mon abstraction vers la gateway, et j'ai la gateway elle-même qui fait ce qu'elle doit faire technologiquement. Et donc là, tout à l'heure, j'avais dit, c'est un peu flou, où c'est qu'on met le code? Est-ce qu'on le met un peu dans le port ou dans la corde de la méthode, ou est-ce qu'on fait des objets dédiés? Là, comme il dit qu'il faut, c'est les entities, donc la modélisation métier, représente le métier, donc les data et les comportements, ça milite pour avoir une grappe d'objets, enfin, une grappe si c'est votre cas. Donc là, j'ai un VTC, qui est un type de course, qui est un prix au kilomètre. Si jamais je veux mettre des règles de gestion, que le prix au kilomètre, il ne peut pas dépasser 10, il ne peut pas être négatif. Si je veux faire des ristournes, je peux mettre aussi des calculs de pourcentage dans le prix au kilomètre. Le type course, c'est voilà, la course du dimanche, la course de jour férié. Et puis si c'est dimanche, alors voilà, on pourra mettre des règles. Et puis VTC, lui, il agrège tout ça. Il pourra encore avoir des règles à lui. Donc là, ça, par rapport à l'archi hexa, c'est quand même... On vous guide plus sur là où il faut mettre les choses. Oh, totalement loupé. Si je voulais faire une arborescence, un exemple d'arborescence, j'aurais par exemple mon périmètre applicatif réservation, tout en haut, et dedans, j'ai mon package business, où je peux avoir mes entities et mes use cases, et je peux avoir aussi mon abstraction de gateway. Et business, c'est mon hexagone, où c'est mes deux cercles concentriques du milieu dans Clean Archi. Après, ma technologie, contrôleur à gauche, gateway à droite, c'est la technologie, c'est pas dans le business, mais c'est ma technologie de mon contexte réservation. Donc c'est un exemple, avec les mêmes couleurs que les schémas. Et puis vous pourriez y avoir plusieurs périmètres. Vous pourriez avoir votre périmètre de réservation, en haut, et puis un autre périmètre qui c'est l'administration. Vous voulez administrer les prix,
Ça n'a rien à voir avec la réservation. Un utilisateur, quand il commande un VTC, il ne choisit pas ses prix. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, vous pourriez avoir chacun a sa modélisation, chacun a ses objets. Et il n'y a plus comme les modèles en couche où on avait tout dedans. Donc là, on peut vraiment découper. Là, j'ai mis deux clinarchies, mais je pourrais très bien mettre pour l'administration un modèle en couche. Admettons que je n'ai pas de métier. Ça ne sert à rien de faire une clinarchie s'il n'y a pas de métier. On va faire un modèle en couche. On peut faire cohabiter dans un même monolithe plusieurs architectures logicielles. Aucun problème. Et donc là, c'est plutôt une pizza. Donc on voit qu'on a une part de pizza, et dans la part de pizza, on a toutes les couches du cercle. Et puis dans une autre part de pizza, on a les autres couches du cercle. Et si à un moment, on trouve que ça a un sens, ça a un intérêt de sortir la réservation en microservice, parce que voilà, il y a vraiment un intérêt, et bien on peut le faire. C'est beaucoup plus facile de le faire comme ça que tout à l'heure avec toutes les couches mélangées. Avec les couches mélangées dans le spaghetti ou les couches qui s'appelaient les unes les autres dans les lasagnes. Là, je pourrais aussi avoir des liens, parce que là, on a l'autonomie, mais on a quand même de la dépendance. L'administration va modifier les prix, et les prix vont être utilisés par la réservation. Donc, soit l'administration modifie les prix et stocke ça dans une base, et la réservation va se sourcer dans la même base, soit à chaque fois que la réservation a besoin des prix, il demande à la réservation quel est le prix, soit l'administration, quand elle a modifié un prix, elle envoie un message quelque part, et l'administration et la réservation, elle écoute ces messages et elle dit « Ah, moi je suis intéressé par ces messages de modification de prix, je les récupère et je les stocke dans mon propre modèle à moi. » Et là, on a vraiment de l'indépendance, et là, vraiment, on peut partir sur des microservices. Donc on n'est pas obligé de faire tout d'un coup, on peut d'abord faire un monolithe, et puis y aller itérativement. Le but, c'est de livrer le plus souvent possible, et puis on n'est pas obligé de faire tout de suite les messages qui s'envoient à travers des bus. On peut y aller petit à petit. Le but, c'est de livrer, voir que ça fonctionne, voir que les utilisateurs utilisent, ça leur plaise, avoir des feedbacks sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis, si on a un besoin, on va de plus en plus loin et on modifie au fur et à mesure. C'est ça, l'agilité. Là, tout à l'heure, je parlais des ports. Est-ce qu'on met un fichier avec plein de méthodes ou plein de fichiers pour les ports ou les use cases? Là, la clinarchie se positionne en disant c'est un fichier par use case. Quand j'ouvre mon package use case, je vois tout ce que l'application m'offre, en tout cas tout ce que ce périmètre de réservation m'offre. Je vois que je peux rechercher un chauffeur disponible, je peux réserver une course, je peux planifier une course, je peux consulter une réservation et annuler une réservation. En un clin d'œil, là, j'ai tout ce que fait mon périmètre. Et c'est assez cool, parce que je n'ai pas besoin d'ouvrir des fichiers, je n'ai pas besoin de lire des documentations. En un clin d'œil, j'ai ce que ça fait. Et si quelqu'un arrive sur ça, un nouveau qui vient, eh bien, il voit en un clin d'œil ce que ça fait. C'est quand même assez bénéfique. On appelle ça la streaming architecture. C'est-à-dire que c'est une architecture qui crie d'elle-même ce qu'elle fait. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller, lire. On voit tout de suite ce que ça fait. En plus, je sais que je suis dans mon contexte de réservation, donc ça semble logique. Donc, le onboarding est plus facile comme ça. Donc là où l'archi-exa ne se positionnait pas, la clinarchy vous dit il faut mettre un use case. Donc, le use case, il a une méthode qu'on appelle souvent execute. Et puis, c'est tout. Pareil que tout à l'heure, qu'est-ce qui transite entre les frontières du use case finalement, de ce qui est métier? Et ben, de la même façon que tout à l'heure, il ne faut pas mettre de la technologie à l'intérieur. Et il ne faut pas non plus, je ne sais pas si votre contrôleur veut rentrer dans l'hexagone ou dans le use case, il ne faut pas créer la modélisation en dehors. Il faut lui envoyer les données brutes au use case et lui va à charge au use case de créer les entités, enfin en tout cas les peupler, les alimenter. Comme ça, le métier reste bien au milieu et on est sûr qu'on a la main mise sur ce que ça fait et que quelqu'un d'autre dans le contrôleur ne puisse pas aller appeler à un comportement qu'on ne voulait pas qu'il appelle. Bilan, il me reste plein de livres, plein de canards. Vous connaissez Combini ? Ceux qui posent des questions comme ça, là, toujours deux choix. Ils ont Vincent Cassel, un acteur qui a été connu pour avoir joué dans La Haine. Il lui demande l'amour ou la haine. Et ben, si j'étais assez connu et Combini venait me voir, je vais aller parler. Il me demanderait, Christophe, hexagonal ou clean? Du coup, qu'est-ce que je répondrais? Je répondrais déjà Fred Brooks, qui dit il n'y a pas de silver bullet. Silver bullet, c'est dans le fantastique, les loups-garous. On leur tire une balle en argent dans le corps et ils meurent directement.
C'est magique. Ben, l'informatique, il n'y a pas de silver bullet. Je suis désolé si vous pensiez venir ici pour avoir l'archi ultime, ça ne marche pas. Il n'y a pas de silver bullet. Ça veut dire que parfois, aucune des deux, ni hexagonale ni clean, parce que ça ne convient pas. Par exemple, Vlad Kononov, il fait un arbre de décision dans son livre Learning DDD, qui dit qu'à droite, donc c'est là pour vous, à droite, c'est tout ce qui n'est pas votre cœur métier. Par exemple, vous avez un référentiel, ce n'est pas votre cœur métier. Et ce n'est pas sur ça que vous allez gagner de l'argent. Par contre, vous allez faire un autre périmètre qui va utiliser ce référentiel. Donc le référentiel, on va mettre des choses, on va administrer des choses, et puis on va récupérer des données, voilà, c'est du passe-plat. Donc là, il n'y a pas trop de métier. Là, ça ne sert à rien de faire de la clean archi ou l'archi exa. Vous allez isoler rien, parce qu'il n'y a pas de métier. Donc ça ne sert à rien de s'embêter, et puis vous allez faire des mappings, je dis. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Donc là, un beau transaction script, ça marche très bien. Et puis pour tester ça, vous n'allez pas faire des tests de couche par couche, vous allez, parce que les couches, c'est du passe-plat, donc vous allez faire globalement des tests de bout en bout. De bout en bout, ce n'est pas forcément du front, hein, de l'IHM, hein, ça peut être de l'API, pour voir que vous mettez bien des choses en base et que vous allez bien les rechercher. Donc là, on a une pyramide inversée. On dit toujours, il faut faire une pyramide, bah, non, ça dépend, pas de silver bullet. Là, c'est une pyramide inversée. On peut avoir quelques règles de gestion, hein. Parfois, j'ai déjà vu, est-ce que la personne est majeure ? Alors là, je vous donne l'algo, il est compliqué. C'est 2023, moins l'année de naissance, supérieur à 18. Bon, ça, on peut le faire là. On n'est pas obligé de faire une clean archi pour ce petit algo tout petit. Si vous avez, par contre, des données complexes, c'est-à-dire que vous allez récupérer des données en base, ou plusieurs bases, et vous allez les agréger, ou des vues, vous allez construire vos vues, vous voulez savoir si vos données, en fait, que vous récupérez, sont bien agrégées, c'est bien les données que vous vouliez. Là, vous allez, en fait, toute votre intelligence, ça va être sur la partie interaction avec la base. Donc la partie finalement adapteur tout à l'heure, adapteur ou gateway. Ben là vous allez, pareil, vous n'allez pas faire une clean archi, vous allez faire ce qu'on appelle du active record. Et pour tester tout ça, vous allez faire des tests d'intégration entre vos éléments qui interrogent la base et votre base. Et pour voir que vous allez bien récupérer les bonnes données. Donc là on n'a pas une pyramide ou une pyramide inversée, on a un diamant. Donc très peu de tests de bout en bout, très peu de tests unitaires et beaucoup de tests d'intégration. Et puis après le reste c'est du passe-plat. Jusqu'à votre... Par exemple, pour des graphiques, on fait ça souvent pour des graphiques, on agrège plein de données, et on récupère les données et on dessine un graphique. Donc là, on peut faire du active record. Par contre, si c'est votre... Donc là, pas besoin. Si c'est votre cœur métier, si c'est sur ça que vous gagnez de l'argent et que vous êtes différenciant, alors sauf si c'est du monétaire, des transactions monétaires ou des logs, là, on va plutôt faire l'event sourcing, c'est un autre paradigme, c'est autre chose. On va stocker tous les événements au lieu de stocker des états finaux. Voilà. Donc si c'est votre métier, là par contre c'est hyper intéressant d'avoir du port adapteur, clean archi, archi exa, peu importe. C'est intéressant parce que vous avez un métier compliqué et beaucoup de métiers et vous allez devoir isoler ça, développer ça et puis mettre votre technologie autour. Donc là c'est très adapté. Même si vous avez du CQRS, moi je considère que vos commandes, si vous différenciez les commandes, les queries, les actions des lectures, moi je trouve que les commandes c'est pas mal de mettre en... avec ses ports et adapteurs et clean archi, ou archi exa. Et là, vous avez une pyramide, parce que vous allez avoir beaucoup de tests unitaires. Alors unitaire, hein, dans la frise, là, on voyait qu'unitaire, avant, c'était l'unité, c'est la petite portion de code, et on testait la structure. Et dès qu'on changeait un peu la structure, tous les tests cassaient. On disait, ah, c'est pénible les tests, donc on les désactivait. Donc si vous faites, votre unité, c'est le comportement, peu importe ce qui se passe au milieu, ben, vous pouvez déplacer des choses sans problème. Votre comportement, il ne va pas bouger. Si vous changez la structure, votre comportement ne doit pas bouger. Donc là, vos tests, ils sont fiables. Donc là, vous avez une pyramide de tests, donc beaucoup de tests unitaires qui vont aller très vite, puisqu'ils se basent sur des doublures et pas sur des bases de données, des doublures qui sont mémoire. Puis quelques tests d'intégration, et puis un petit peu de tests bout en bout, très peu, juste 3 cas passants pour voir que ça marche bien. Donc voilà, cet arbre de décision, il est pas mal, pour savoir quelle architecture choisir. Les avantages sont communs, en fait, entre hexagonal et clean, parce que c'est le même but, c'est de protéger la valeur. Donc, ça milite pour découpler les choses, isoler. C'est flexible, parce qu'on peut changer. Si je voulais changer de base ou changer de modèle de persistance, je ne suis pas impacté dans mon métier. Donc, c'est flexible, c'est pérenne, parce que, voilà, si on change de technologie, à part si je change de langage, mais donc c'est pérenne. C'est testable by design, donc je vous encourage à tester. Il y en a qui ont des métriques dans leur société qui disent qu'il faut 80% de couverture de code. 80, 81, 82, c'est des chiffres comme ça sortis du chapeau.
Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Goodhart qui dit que si la métrique devient un objectif, c'est une mauvaise métrique, parce qu'on va toujours essayer de truander la métrique. Je sais pas si, dans les îles du Pacifique, il y avait des gens qui étaient arrivés sur des îles et il y avait trop de rats. Ils avaient demandé aux autochtones d'enlever les rats. Ils leur donnaient des sous chaque fois qu'ils enlevaient les rats. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les autochtones? Ils ont élevé des rats pour rapporter des rats. Donc ils avaient de l'argent. C'est cool. Après, ils ont dit non, mais maintenant, on ne paye plus. Ils ont libéré les rats. Il y en avait encore plus qu'avant. Donc, si vous dites 80%, les gens vont essayer d'avoir 80%. Ça ne va pas 80% de valeur, ça va être 80% juste pour 80%. Donc, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont tester des getter setters. Ils vont générer des tests automatisés qui vont appeler tout, un peu tout, sans assert, sans vérification. Donc, ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. Ça permet de repousser le choix technique. Je me souviens, je travaillais dans les métros et il y avait plein d'événements qui transitaient partout. C'était la tour de contrôle des métros. Voilà, dès qu'ils bougent d'un centimètre, dès qu'il y avait l'électricité, dès qu'il y avait un problème, quelqu'un tombe sur les voies. Ou peu importe. Il y avait plein de capteurs partout, si les pneus étaient bien gonflés. Et en fait, le STIF, qui est au-dessus de la RATP, voulait que si jamais il y a un incident, rejouer le film de la journée pour savoir ce qui s'est passé. Si c'est un problème humain, technique. Et donc, les gens qui sont arrivés, première décision, base de données, Mongo, tiens, allez hop, Mongo. Et puis, 5 ans après, on a le retard, donc 5 ans après, on teste la nuit pour voir ce que ça donne, et puis tous les événements, ils s'empilent, et puis ils se dépilent tout doucement dans la base de données, et du coup, boum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Mongo, c'est fait pour stocker des gros documents, pas des petits événements. Donc soit il fallait prendre une autre base, soit il fallait temporiser pour avoir des gros documents. Donc c'était pas la bonne base. Donc en fait, repousser les choix techniques, ça permet, enfin, l'Exa et la Clean Archive permettent ça. On ne sait pas encore quelle base on va choisir, c'est pas grave, on va développer le métier. On va mettre un truc mémoire en attendant. Et on va déployer, on va voir ce que ça donne. Et on va choisir la bonne base par rapport à notre vrai usage, vrai cas d'usage, plutôt que l'inverse. Ça marche aussi bien sur le front que le back, c'est pas que du back. Donc vous pouvez mettre de la Clean Archive ou de l'Archive Exa sur du front. AngularJS, Angular 2, on voit que vu que ça n'avait plus rien à voir, si on avait isolé un peu de métier du front, ça aurait été cool. Ça faisait ça de moins à refaire. Donc si les avantages sont communs, le niveau de guidage, il est quand même différent. On a vu, est-ce qu'on met une interface à gauche, oui, non. La taille des ports, on ne se positionne pas, l'autre on dit ici, scrim une architecture. Où est-ce qu'on met le comportement, application, c'est un peu vague. L'autre il dit, c'est dans les entités. Comment on retourne les données, peut-être comme vous voulez, ou d'un côté, il y a le présenteur avec toutes ces techniques, avec l'interface, etc. Donc en tout cas, si les avantages sont communs et le but est commun et le même, le niveau de guidage est complètement différent. Pas complètement, il est différent. Donc, vous êtes plus guidé avec la Clean Archive qu'avec l'Archive Exa. Vous êtes plus laissé libre. En plus guidé, ça peut dire plus facile, parce que du coup, il faut appréhender tous ces éléments, mais vous êtes plus guidé. La terminologie est différente, mais bon, là je vous ai fait une analogie. Application, c'est entity, server-side port, c'est gateway, etc. Mais la terminologie n'est pas importante quand vous développez. Par contre, pour comprendre les concepts, voilà, c'est bien de comprendre la terminologie. S'il y avait trois choses à retenir, c'est que l'objectif est commun, isoler la valeur, même si la terminologie est différente, le but c'est d'isoler la valeur. Ça apporte des avantages et des inconvénients communs. Donc tout avantage, j'avais listé là, tout ce qui est découplage, flexibilité, structuration. Par contre, l'inconvénient commun, c'est que ça ne nous aide pas trop à designer le métier au milieu. On sait qu'on peut l'isoler, mais un peu plus sur la Clean Archive, mais encore pas totalement. Là, je vous inviterai d'aller voir le DDD, Domain Driven Design, qui se marie bien avec tout ça. Donc vous isolez quelque chose, et après, avec le DDD, vous designez au mieux. Et ce n'est pas adapté à toutes les situations. Si vous n'avez pas de métier, ça ne sert à rien. Je vous dis, pas de silver bullet, ne faites pas ça, faites autre chose. Parce que j'ai vu des équipes qui perdaient énormément de temps à faire des mappings. J'ai vu une équipe du front jusqu'au back, ils avaient 7 mappings. Donc ils passaient leur temps à faire un mapping. Donc j'ai un string, hop, string, 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 string. Donc on perd du temps, on ne développe pas vite, et on se dit, ouais, c'est nul cette archi. Non, elle n'est pas nulle, c'est juste qu'elle n'est pas adaptée à cette situation. Et le niveau de guidage, il est différent. Hein. Scrim architecture, interface partout, retour des informations. Le niveau est différent suivant l'architecture que vous utilisez. Ah, questionnaire combiné, le retour. Je vous ai bien noyé, mais je n'ai pas répondu à la question. Alors, hexagonal ou clean ? De pire en pire. Ma réponse,
c'est la clean archigonale, c'est le titre quand même de la conf. C'est en fait, il n'y a pas de silver bullet, et je vais prendre le meilleur des deux mondes. Parfois, j'ai besoin d'un présentateur, je vais en faire un. Parfois, je trouve que ce n'est pas utile, je ne vais pas en faire. Je vais pas tester mon contrôleur en toute autonomie, donc je ne vais pas mettre d'interface sur mon use case. Parfois, je vais peut-être le faire dans un endroit où j'en ai besoin, je vais en mettre un. Voilà, je vais prendre tous les avantages pour mon contexte et les utiliser. Et parfois, dans un autre contexte, je ne vais pas faire tout à fait pareil. Donc, la clean archigonale, un mix un peu tout ça. Si je n'ai pas de métier, par contre, je n'ai pas de clean archigonale. Je vais faire les autres architectures que je vous ai présentées. Ça s'appelle le chou-hari. Je ne sais pas si vous connaissez, dans les arts martiaux. Le chou, c'est de dire qu'on suit les lois, en fait. On apprend les fondamentaux et on les suit à la lettre. Le A, c'est qu'on commence à digresser un peu, on voit des exceptions, on dit, bon, bah là, ça ne s'applique pas, je vais faire un peu autrement. On casse la tradition. Et le RI, c'est on peut se séparer, transcender, pas de limite, clean archigonal. Et donc, c'est ça, c'est de dire, au début, je fais comme c'est écrit dans les textes pour voir ce que ça donne. Et après, si je me détache, mais je sais pourquoi je me détache, parce que j'ai une compétence, j'ai une connaissance, je ne me détache pas parce que présenteur, ça veut dire quoi ? J'ai pas compris, bon, je ne vais pas en faire. Ça, c'est pas du chouari, ça, c'est pas de la clean archigonale, c'est de la méconnaissance. Je vais finir par Marc Simon qui disait « Vous pouvez être pragmatique que si vous savez être dogmatique. » Donc, chouari. Apprenez bien le dogme, essayez-le dans des katas, et puis après, vous pourrez vous détacher si ça ne vous plaît pas, mais vous saurez pourquoi vous vous détachez. C'est pas par méconnaissance, c'est par choix. Ça, c'est la citation de Docto. Donc, le monde est complexe, hein, les ressources sont finies, donc faites pas des choix de base de données que vous allez regretter dans 3 ans et il faudra revenir en arrière. Voilà. Œuvrez pour la planète. Faites de la clean archigonale. Merci. C'est beau celui-là. Il reste 2 minutes pour les questions. La digestion. Là-haut. On a eu une présentation ce matin sur les architectures composables, tout ça, tout ça. Je voulais savoir, dans un monde où on part de plus en plus sur l'utilisation de multiples API, où au final, on se retrouve plus avec de la composition d'appels d'API vraiment métiers qui produisent un métier particulier et en fait le métier qui est produit par l'entreprise n'est plus qu'un assemblage de ces différents fragments de métiers. Comment on peut adopter au final le principe de clean, puisqu'on je le vois à peu près, mais au final la valeur métier des fois est faible ou inexistante. Alors si la valeur métier est faible, c'était la question, comment on fait avec ces architectures ? Ben, on ne fait pas. Fin. En fait, il faut vraiment avoir du métier complexe. Et moi, je vous recommande de faire ces architectures quand vous avez du métier complexe. Et si vous pouvez le faire en TDD, donc pensez spécification, qu'est-ce que j'ai besoin ? Et puis votre métier il va émerger. Au début, vous allez tout mettre dans le use case, puis après, vous allez déplacer dans des objets précis, des objets métiers précis. Ces objets précis, quand vous les réutilisez partout, vous êtes sûr que les règles elles vont être appliquées tout le temps, parce qu'il n'y aura pas de la recopie de règles dans plein de use cases. Donc vous êtes garanti d'avoir que vos règles sont bonnes, enfin vos règles métiers sont bonnes à chaque instant. Mais s'il n'y a pas de métier, non. Transaction Script ou Active Record ou autre chose. Plat Spaghetti, bon, je ne vois pas un POC à la limite, mais attention parce que les POC ils partent en 3, alors si vous maintenez les POC. De toute façon, c'est zéro. Donc, bah, je suis disponible pendant 3 jours. Si vous avez des questions, je suis là. Merci.